Et on a parti ça avec Despacito. Parce que toi, en fait, il y a des gens qui sont un peu à bout en bon français, hein, de cette chanson-là, mais toi, tu la trouves saine. Je la trouve saine. Je trouve que l'image que Luis Fonsi a véhiculée avec ça, avec toutes les générations qui sont réunies dans son vidéo, et la façon qu'il a eu de nous l'amener, la joie que ça nous a amené. Bon, on est peut-être tout un bout de notre vie, là. Ça suffit peut-être. Oui. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça cet été. On s'est beaucoup amusé. Abba, tu l'as écouté aussi, ça, encore et encore. Ça jusqu'à l'écœurantite aiguë. Ça, c'est l'adolescence, c'est quand? Oui, ça? Mais c'est l'adolescence, puis la post-adolescence aussi. Je l'ai écouté beaucoup. J'écoutais beaucoup avec mon père. Abba. Oui. On achetait les 45 tours. À l'époque, on avait des vinyles. Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All. Puis après, plus tard, Mamma Mia, Dancing Queen, and so on.